Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Que la paix et la joie du Christ ressuscité soient toujours avec nous tous. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, nous continuons la lecture de la Bible. Nous arrivons au chapitre 22 du livre de la Genèse. C'est Abraham sanctifiant, disons tout en méditant. Que le Seigneur Jésus nous donne sa force, nous donne le temps de méditation. Alléluia. Amen. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, vous êtes en compagnie de Marie-Louise Omomalarongo. Après ces événements, Dieu met Abraham à l'épreuve et lui dit: Abraham y répondit: Me voici, il est repris. Prends ton fils, ton unique Isaac, que tu aimes, pars pour le pays de Moria, et là, tu l'offriras en holocauste sur celle des montagnes que je t'indiquerai. Abraham se leva le bon matin, sangla son âne, prit avec lui deux de ses jeunes gens et son fils Isaac. Il fendit les bûches pour l'holocauste. Il partit pour le lieu que Dieu lui avait indiqué. Le troisième jour, il leva les yeux et il vit de loin ce lieu. Abraham dit aux jeunes gens: Demeurez ici, vous avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons là-bas pour nous prosterner, puis reviendrons vers vous. Abraham prit les bûches pour l'holocauste et en chargea son fils Isaac. Il prit en main la pierre à feu et le couteau, et tous deux s'en alla ensemble. Isaac parla à Abraham, son père. Abraham, mon père, dit-il. Et Abraham répondit: Me voici, mon fils. Il reprit: Voici le feu et les bûches. Où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit: Dieu saura voir l'agneau pour l'holocauste, mon fils. Tous deux continuèrent à aller ensemble. Lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait indiqué, Abraham y leva un autel et disposa les bûches. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel au-dessus des bûches. Abraham tendit la main pour prendre le couteau et immoler son fils. Alors, l'ange du Seigneur l'appela du ciel et cria: Abraham, Abraham. Il répondit: Me voici. Il reprit: N'éteins pas la main sur le jeune homme. Ne lui fais rien, car maintenant je sais que tu crains Dieu, toi qui n'as pas épargné ton fils unique pour moi.
Abraham leva les yeux, il regarda et voici qu'un bélier était pris par les cornes dans un fourré. Il alla le prendre pour l'offrir en holocauste à la place de son fils. Abraham nomma ce lieu le Seigneur voit. Aussi dit-on aujourd'hui, c'est sur la montagne que le Seigneur est venu et vu. L'ange du Seigneur appela Abraham du ciel une seconde fois et dit, je le jure par moi-même, oracle du Seigneur, parce que tu as fait cela et n'as pas épargné ton fils unique, je m'engage à te bénir et à faire proliférer ta descendance autant que les étoiles du ciel et le sable au bord de la mer. Ta descendance occupera la porte de ses ennemis, si tant est que se béniront toutes les nations de la terre, parce que tu as écouté ma voix. Abraham revint vers les jeunes champs. Ils se levèrent et partirent ensemble pour Beersheba. Abraham habita à Beersheba. Telle est la fin d'Abraham, naissance de Rebecca. Or, après ces événements, on annonça à Abraham, voilà que Milka, elle aussi, a donné des filles à ton frère Nahor. Os, son premier-né, Buz, son frère, Kemuel, père d'Aram, Kesed, Hazo, Pilda, Yidlaf et Betuel. Betuel engendra Rebecca. Ce sont les huit que Milk donna à Nahor, le frère d'Abraham. Sa concubine nommée Reuma eut aussi des enfants, Teva, Gaham, Tahash et Maka. Telle est la fin du chapitre 22 du livre de la Genèse. Chers amis, nous voyons que Abraham était très croyant et il n'a pas épargné son fils pour le Seigneur. Donnons au Seigneur tout ce que nous avons, puisqu'il nous prépare de bonnes choses. Alléluia. Lui, il ne nous a rien refusé. Alléluia. Et puis, nous aussi, nous devons lui offrir tout ce que nous avons. Alléluia. Étendons les mains pour le Seigneur, qu'il prenne ce qu'il veut et qu'il donne ou qu'il mette sur nos mains ce qu'il veut aussi. Alléluia. On dit toujours que ta volonté soit faite. Alléluia. C'est par la croyance qu'Abraham a vu l'Holocauste. C'est par la croyance qu'il a accepté d'offrir son fils en offrande. Abraham était très courageux. Remercions le Seigneur et prions pour nous-mêmes. Continuons la lecture par le chapitre 23 du livre de la Genèse, le tombeau de Sarah. La vie de Sarah dura 127 ans. Sarah mourut dans le pays de Canaan, à Oiria Arba,
c'est-à-dire Hébron, Abraham vint célébrer les funérailles de Sarah et le pleurait et la pleurait. Puis il se releva et s'éloigna de la morte pour parler au fils de Heth. Je vis avec vous, dit-il, comme un immigré et un hôte. Cède-moi en propriété funéraire parmi vous pour que j'ensevelisse la morte qui m'a quitté. Les fils de Heth répondirent à Abraham en ces termes. Écoute-nous, mon Seigneur. Dieu a fait de toi un chef au milieu de nous. Ensevelis ta mort dans les meilleurs de nos tombeaux. À quand de nous, ne t'interdira son tombeau pour la sépulture de ta morte. Abraham se leva pour se prosterner devant le peuple du pays des fils de Heth. Il leur parla en ces termes. Si réellement la morte qui m'a quitté doit être avec vous dans un tombeau, écoute-moi et intercédez pour moi auprès des faune, fils de Korah, pour qu'il me cède de la caverne de Macpéla qui lui appartient à l'extrémité de son champ. Qu'il me le cède pour sa pleine valeur à titre de propriété funéraire parmi vous. Éphron était assis parmi les fils de Heth. Éphron le Hittite répondit à Abraham aussi des fils de Heth, à savoir de tout ce qui venait à la porte de sa ville, et il dit: Non, mon Seigneur, écoute-moi, le champ je te le donne, la caverne qui s'y trouve, je te la donne. Aussi des fils de mon peuple, je te la donne, ensevelis ta morte. Abraham se prosterna devant le peuple du pays et dit à Éphron, aussi du peuple du pays, oh toi, si seulement tu voulais m'écouter, je te donnerai le prix du champ, reçois-le de moi, et c'est là que j'ensevelirai la morte. Éphron répondit à Abraham et lui dit, mon Seigneur, écoute-moi, une terre de 400 cycles d'argent, qu'est-ce qu'entre toi et moi? Ta morte ensevelie là. Abraham s'entendit avec Éphron, il lui pesa le prix que les fils de Heth l'avaient entendu déclarer, 400 cycles d'argent autour du marché. Le champ d'Éphron à Macpéla devant Mamré, le champ et la caverne incluse, y compris tous les arbres dans le champ, dans tout son périmètre. On a garanti l'acquisition à Abraham au vu de des fils de Heth, de tout ce qui venait à la porte de sa ville. Pourquoi Abraham ensevelit sa femme Sarah dans la caverne du champ de Macpéla devant Mamré, c'est Hébron au pays de Canaan. Le fils de Heth garantit à Abraham la propriété funéraire des champs et de la caverne qui s'y trouvait. Telle est la parole de Dieu. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, c'est la méditation d'aujourd'hui. On voit que Dieu est toujours avec nous. Il nous donne aussi la sagesse.
Abraham a insisté pour acheter la caverne pour enseverer la morte. Même si on donnait gratuitement, lui, il insistait pour acheter. Il y avait pourquoi. Plus tard, quand nous disons, nous verrons pourquoi Abraham a acheté cette terre. Que le Seigneur Dieu nous donne la sagesse. Alléluia. Qu'il nous donne aussi le courage de lui suivre. Alléluia. En toutes circonstances. Que Dieu nous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.